Oh mon Dieu! Je suis où là? Non, je déconne, allez, c'est pas du RP cette fois-ci les gens. Salut tout le monde, c'est Whoopidoz, aujourd'hui on se retrouve pour une map aventure. Alors, pour ceux qui l'auraient déjà fait, sachez-le, c'est normal que j'ai tout ce bordel. En fait, c'est que j'avais déjà tenté de rec. Sauf que fatalité, va savoir pourquoi Minecraft, gentil comme il est, il a remarqué que je filmais. Et donc, pour me faire chier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement voulu faire l'option, vous savez, le bug shooting down internal server. Donc bref, comme vous pouvez le voir ici, en fait il s'agit d'une map qui se nomme Alone. Une map que j'ai trouvée fort sympatoche, je vais pas vous mentir, j'ai même hésité à faire une série RP dessus. Donc l'histoire en fait c'est tout simplement qu'il y a eu une apocalypse qui a ravagé le monde, enfin très exactement je crois une grosse tempête de sable qui a englouti toutes les constructions et tout ce bordel. Et notre but à nous, ce sera tout simplement de survivre dans la solitude. Alors attends, quand je dis solitude, c'est relatif, hein, vous pouvez la faire en multi. Si vous aimez le RP, c'est la map qu'il faut faire, je vous le dis tout de suite. Par contre, je me rends compte qu'il va faire nuit et mieux vaut aller se coucher. Je me souviens plus trop, je crois que c'est vers là-bas. Ouais, c'est là. Voilà. Hop, voilà. Donc on fait dodo. En sachant qu'il y a aussi les monstres qui sont actifs. Et là, si vous avez vu d'ailleurs que mon mode de jeu a été mis à jour, alors que normalement les commandes ne sont pas activées, c'est tout simplement que j'ai ouvert Holland parce que, comme je vous l'ai dit, ça avait planté. Et il fallait que je trouve un moyen de retourner au spawn. Et le seul moyen que j'ai trouvé, ça a été d'ouvrir le LAN et d'autoriser les commandes. En gros, ouvrir le LAN, ça permet de modifier les options. Alors. Ouais, vous voyez un peu quand même, la map, elle est magnifique, il n'y a rien à dire. À ce qui paraît, elle brise les codes. Les créateurs, je crois que c'est Tutur Patato, je crois, et Dark Dodo 31. Donc apparemment, l'univers, il est assez riche et varié. Moi, personnellement, j'ai juste vu la ville dans laquelle on se trouve actuellement. Alors, on va tenter de descendre. On va descendre comme on peut en fait, très exactement. Alors regardez la technique. Quand on est confronté à des trous comme ça et qu'on a du sable, voilà ce qu'il faut faire. D'ailleurs je vais en prendre pas mal je pense. Donc franchement si vous avez vu la miniature, vous devez voir le screen qu'ils ont fait. Donc avec les shaders, la map est magnifique. Et justement j'avais tenté de tourner avec les shaders comme je vous l'avais dit. Enfin je sais même plus si je vous avais dit ça. Tellement j'essaye de tenter de parler en continu, ce que d'habitude je ne fais pas. Allez, hop, on est parti. On prend une pioche en fer, on prend le charbon. De la pierre aussi, ça peut être utile pour qu'on se casse-couille ça. Hop. On continue. Hop. 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 Voilà. Putain, c'est casse-couille. Oh là là, ça va me péter les couilles ça. Merde, d'ailleurs, s'il refait nuit, j'ai oublié de bout le truc. Alors, j'ai hésité à faire une série RP, comme je vous l'ai dit, sur cette map. Car j'avais trouvé une idée de scénario assez sympa et je me suis dit, non, finalement, j'ai déjà une série qui a repris en RP et une autre série de prévues qui est de Prisonnier des Enfers. Et je me suis dit, bon, je vais être débordé si je lance une troisième série RP. Du coup, je préfère faire ça, vous voyez, tranquille, bidou, une petite présentation de map. Chose que je n'ai jamais fait je crois. Ah si, à mes débuts, mais c'était mes débuts, c'était de la merde. Comme tous les, en général comme tous les youtubeurs, je vais pas vous mentir. Regardez les débuts de tous les personnes qui vivent aujourd'hui de YouTube, vous verrez ce que c'était avant, genre Antoine Daniel, joueur du grenier. Enfin joueur du grenier c'est peut-être celui qui a mieux commencé, vous direz. Cyprien, tout ça, c'était la cata quoi, avant. On va pas se mentir. Alors, tiens, bizarre. C'est très très bizarre. Quoi, c'est comme ça là-bas? Alors, par contre, ça va être très énervant si je marche comme ça tout le long, en sachant que d'après ce que j'ai, le peu que j'ai pu comprendre, nous n'avons, il n'y a pas de nourriture en fait apparemment. Alors les gens, vous savez quoi? Si ça continue,
Parce qu'en fait j'ai vraiment envie de voir les trous, parce que je sais qu'il y a un théâtre abandonné à un moment sous la terre. Il y a sûrement de la bouffe et tout ce bordel, enfin, mais que dans les coffres selon moi. Mais regardez, on voit le village où on était là-bas. Putain, c'est excellent. Allez, on avance, on avance, on avance. Je veux voir s'il y a quelque chose derrière cette ombre là, mais ça m'étonnerait beaucoup. Et... D'accord, c'est bon. Ok, ok, ok. Qu'est-ce qu'on va faire? Oula, aïe. Slash game mode 1. Oui, voilà, c'est de la triche. Bon, ok, d'accord, mais... je tiens à voir. Non, il n'y a rien. Hormis pas mal de monstres, c'est ça sûrement qu'ils font illusion quand ils disent des monstres féroces et tout le bordel. Alors... qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, voilà, ça y est, ça c'est bien ça. Ah, ça fait plaisir de voir qu'il n'y aurait pas eu que du sable. Putain, il y avait un diamant en plus là, regardez un peu ça. Oh putain, moi d'ailleurs ça fait longtemps que j'ai plus joué un serveur PVP ou autre, faut vraiment que je pense à m'y remettre un de ces quatre. Mais le truc c'est que ces derniers temps, bah, je m'ennuie quand je vais sur des serveurs non modés dans Minecraft, hein, je vais pas vous mentir. Il y a que Hypixel qui sauve un peu le truc pour moi et un autre truc que je faisais avec mon camarade Unpack. Mais après, à part ça, alors ici qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'on voit un peu? Oui, je sais, vous, ça va très très vite là, mais j'essaie de vous montrer le plus de choses possible. Ah bah, attendez. Mais même là, il y a des coffres, il n'y a rien, punaise. Il n'y a jamais de coffres en fait dans ces endroits, c'est très bizarre. On aurait dû avoir de l'inventaire. Bah, en fait, on aurait dû avoir de l'inventaire. J'ai vu qu'il y avait un émeraude. Du saphir aussi, bah très bien. Enfin, j'ai vu qu'on aurait dû avoir de l'inventaire dans les coffres dès le début de l'aventure, de la ville, mais je n'ai rien vu personnellement. Pourtant, je peux vous assurer que j'ai cherché hein, pendant la partie où j'avais filmé. Bon, alors ici, d'après ce qu'on peut voir, il y a encore une fois rien. Alors, on va remonter. Et on va aller voir le gros trou que j'avais vu tout à l'heure. La map est vraiment... Elle a l'air vraiment immense, la map. Hein. Putain. Donc là, on avait vu qu'il y avait une sorte de mine. Voilà, c'est là le trou que j'avais vu tout à l'heure, je crois. C'est là où je vous montre. Alors, quelque chose me dit que là, je vais me faire enculer. Ah non, c'est bon. Oh, d'accord, donc c'est pas un univers médiéval. Contrairement à ce que peut... Ah ouais. Ah putain, excellent, il y avait la porte, ils ont même... Ah ouais, ils respectent bien leur scénar. Oh putain. Oh, je vais pas vous mentir, en fait là j'hésite finalement à faire une série RP ou non. Mais regardez, il y a encore une maison là. Oh là là, excellent. Excellent. Ouais, putain. Ah, ils gèrent, hein, franchement. Ils se sont gavés pour le terraforming, ils déconnaient pas sur l'article de The-Minecraft. Alors, moi par contre, ce que je tiens à tenter de vous montrer, c'est le théâtre. Si j'y arrive pas, je vous montrerai sûrement une image. Alors, non, apparemment, il n'y a rien. Non, 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 là, j'ai l'impression... Allez, en mode fusée, on part. On va aller. Voilà. Donc. En fait, je me dis que de manière logique, le théâtre, il devrait être près du spawn, en fait. Alors ici, quelque chose me dit qu'il y a encore une connerie. C'était un troll. Bon, par contre, encore une fois, il y a du diamant, tout ce qu'il faut. Par contre, ouais, mais vous savez que là, depuis tout à l'heure, en fait, j'ai vu aucun truc qui te permet de te donner à bouffer. Enfin, de te donner à bouffer sans t'empoisonner, parce que des zombies, j'en ai vu. Mais après, pour le reste, ça semble assez vide. Attendez, je me demande si le théâtre, en fait, c'est pas ça, vous savez. Alors là, je suis en train, mais de bousiller la map. Non, y a rien, ouais. Ouais, ouais, y a rien. Bon, bah, les gens, voilà, vous savez à quoi vous attendre, normalement, si vous voulez tester cette map. Alors, je vais juste voir ce dernier truc, et après, je pense que j'arrêterai cette découverte-là. Oh putain de merde.
Ouais, c'est encore une grotte sans trop d'intérêt à part peut-être nous donner du stuff. Ah non, d'accord, il y a de la pastèque. Ah bah voilà, bah. Ah, et bien il y a aussi une. Très bien. Moi qui disais, il me semble qu'il n'y a pas d'arbre. Et bah au moins, je me contredis. Ah ouais, d'accord. C'est. Ah oui, c'est très très bien même. D'accord. Donc la terre, elle est là. Putain, ouais, c'est excellent. Est-ce que je fais ou non une série RP sur cette map? Sachant que ce serait un truc plutôt anecdotique. Bon bah les gens, écoutez, je pense qu'on va s'en arrêter là, hein. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un petit commentaire. Et si vous le souhaitez, abonnez-vous s'il vous plaît. Merci beaucoup, à la prochaine, ciao ciao.